je descends. Tu descends? Je vais aller voir moi d'un peu, j'ai même pas parlé. Tu vas pas te reposer? Non, j'arrive pas à dormir. Moi, je suis un peu rentré, je regarde un petit peu. C'est vrai que ouais, je la regarde comme une fille que j'ai envie de conquérir. Donc, je me dis que bah, ça serait bien de la reconquérir. Ouais, il m'a dit que tu m'avais parlé. Qui est bonne? Non, franchement, je te parle de Chana. Ah oui. Elle m'a dit que tu m'avais parlé et que ça l'avait perturbé. Ouais, que c'est plus où elle en est. Après, je me confie à Naïs, je lui explique que je vois le futur là. Là, je suis dans ma bulle, je suis en train de me dire je vais faire des trucs de fou. Je risque de la demander un fiançailles, je pense. Ah ouais, faut faire des trucs, faut faire des trucs lourds, sinon c'est Je vais être le témoin, s'il te plaît. S'il n'y a pas de témoin dans les fiançailles, mais je vais être le témoin ici. Je vais témoigner? Ouais. D'accord. Ouais, non, j'envisage ça, j'envisage de lui faire. De rentrer dedans, tu vois, de montrer des vrais trucs. Je suis emballé, excité, parce que voilà, c'est vrai que comme je l'ai vu pleurer, ça veut dire qu'elle m'aime, donc ça veut dire que j'ai ma chance. À la base, je suis pas très très romantique comme garçon, donc elle le sait en plus, Chana. Mais je vais la demander en fiançailles, je vais la rendre heureuse, je suis fou. Du coup, ouais, je vais faire ça, c'est bon, c'est lourd ça. Ça. Ça c'est de la grande classe. Là, je vais remonter dans son estime, je Ouais, non. Ce matin, juste avant de partir pour une association, Benjamin m'avait proposé et il m'avait dit que pour le délire, on allait tous se laisser la moustache. Donc se raser toute la barbe et laisser que la moustache ou des pattes, enfin un truc ridicule quoi. Et donc au moment où il rentre, donc la première chose que je lui dis, c'est allez moustache. Bon gros? Allez, bah écoute, Moustaki, Je vous attendais depuis tard, j'attendais que ça. Je vais ressembler à un gamin. Je vais regretter. Oh, je suis un gamin, je suis un collégien. Je sais pas, on est des gosses, ça nous plaît ces délires-là. On passera bien pour des mais ça nous fera rire sur le moment et voilà, on a besoin de bouger et d'amener de la bonne humeur dans cette maison. Moustache! Moustache! On monte dans la salle de bain. Et là, Thibaut commence à se raser. Et dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est n'importe quoi. C'est parti, toi, t'as commencé? Je fais un carré là. Oh, je suis rasoir, hein. Oh, hey, brother! Hey, brother! Freddy Mercury là. Freddy Mercury! Là, c'est le drame. Je laisse les pattes avec la moustache. On était impinards. Moi, je ressemble à Freddie Mercury. Et Julien, avec sa petite moustache, il ressemble à un camionneur. Ah! Regarde-nous! Oh, je passe pour un gamin. Julien, on dirait un mec de 8 ans avec une moustache qui est collée. Les vieilles moustaches qu'on colle, là, il ressemble à rien. Et moi, je me suis foutu une moustache à la Walker Texas Ranger qui ressemble à rien. On dirait un village people, c'est horrible. C'est vrai que je fais très village people, moi. Et c'est vrai que là, tout de suite, alors on le fait, on est dans le délire, on rigole. On est tous en train de se regarder à dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est n'importe quoi. Moustache. Ça sert à rien, ça passe. Mousse. Ah, ah non, non. Ah non, tu crains. Je t'ai fait un bouc de la T'aimes pas? Ah non. Non, non, vous êtes pas beaux. Non, vous êtes pas beaux, les gars. On arrive en bas, tout le monde se fout de notre gueule. Oh non. Freddy Mercury. Les pattes. Là, on est sur la terrasse et tranquillement, les trois garçons arrivent. C'est vraiment le village people qui rentre dans la pièce. Et Thibaut, c'est juste à pisser de rire. Mais... ah, mais toi, c'est un truc de dingue, quoi. Freddy Mercury. Vous étiez obligé de faire ça. Amélie qui rigole vis-à-vis de Thibaut, ça m'a énervé. Pour l'instant, je suis toujours là à me dire que j'ai pas envie d'être proche de cette fille. Ça m'énerve, il rigole avec Amélie. Si t'as envie de me récupérer, reste pas avec des gens qui me taillent. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai quelqu'un qui va dire du mal de lui si j'ai envie de le récupérer. Je vais pas aller rigoler avec cette personne. Même si c'est avec, même si c'est avec moi, tu vois. Je vais lui parler. Après, j'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire, mais... J'ai envie de me récupérer, non, mais je vais pas des actions comme ça, ça me casse. Ça, je vais lui dire et puis je vais lui faire comme moi aussi, ça me fait ça. Donc avec le clash qu'il y a eu entre Anaïs, Eddie et Amélie, Anaïs, comme elle s'entend très bien avec Chana, donc on décide de discuter. Si tu veux vraiment la récupérer, t'as pas rigolé avec une fille qui m'a fait avec qui il y a eu ces histoires. Ouais, normal. Non, mais tu comprends ce que je te dis, c'est pas de la jalousie, c'est juste un principe, en fait, tu vois. C'est juste...
vu ça qui la dérange. Et je la comprends. Et là, je te dis la vérité, je la comprends, les raisons. Moi, je m'entends bien avec Amélie, donc je comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Mais moi, à l'heure actuelle, Shana, j'ai pas envie de la reconquérir. Je regrette. Bon, les amis, dodo, bonne nuit. Allez, yalla, bye. Donc ce soir, je me couche, demain, j'ai envie de la faire rêver, truc de fou. Ça remettra pas. Il est où le thé, Julien? Tu avais mangé? Il est là. Il est là. Donc, je suis dans la maison, j'ai mes occupations. Et en fait, il y a Thibaut qui débarque. Il me dit, j'ai besoin de te parler. Et je suis très surprise, on commence à discuter. Mademoiselle, tu veux venir vous parler? Ouais. Allez, suivez-moi, c'est mes rapaces. Non, je laisse. Il y en a pour longtemps? Vous venez une dans 3 minutes. Cet après-midi, je vous amène avec moi. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Voilà. Pas le choix de dire oui ou non? Non. C'est oui. Voilà. Donc cet après-midi, tu te fais belle, je te prépare bien. Tu t'habilles comment? Belle? Je t'habille belle. Talon et tout? Non, pas forcément, t'es belle comme ça, mais tu te prépares bien et cet après-midi, je te fais réveiller en arcée. Ok? Donc là, je regarde, je comprends pas trop. J'ai dit, comme ça, on part en rendez-vous. Il me dit, bah, prépare-toi, pose pas de questions, habille-toi bien, machin. J'ai dit, bah, ok, je suis un peu surprise de sa proposition. Je te dis juste que je vais te faire rêver, il y en a largement assez. Tu vas me faire rêver, d'accord. Ouais. Bon, on va voir. Et t'as pas le choix. D'accord. On part bientôt, donc moi, je me boue. Ouais. Après, je vais me préparer. Yep. Je suis décidé, j'ai envie de la récupérer, je veux. Elle me manque et j'ai envie de vivre cette aventure avec elle. Je vais tout faire pour la récupérer, voilà. Je suis sur la réserve un peu. Il s'est passé tout ça, j'ai eu mal, donc je sais pas du tout où j'en suis, en fait. J'y vais, mais je sais pas du tout ce que ça va donner.